On va commencer sur une petite phase de chauffe et ensuite comme ça on va pouvoir poursuivre sur le petit circuit que je vais vous proposer pour différents niveaux. À cela on aura besoin de bouteilles d'eau et d'un papier. Alors bouteille d'eau c'est vraiment obligatoire, c'est juste facultatif, vraiment. On va commencer sur les fentes. Pied droit il va être devant, on va descendre et je reviens et j'alterne. Lente, lente et je reviens. Même chose. 1, 2 et je reviens. On prend son temps tranquillement. 2 de plus. Hop, hop et presse. Vous pouvez rester profil, ça permettre bien de bien voir le mouvement, toujours dans sa version verticale. Ok, on les accélère celle-ci. Avec moi, prépare. Accélère, reviens. Accélère, reviens. Les poids sont toujours là. Tac, tac. Attention, je vais anticiper dans 4. Les fentes thrusters. Je vais joindre avec moi les bras. Maintenant, c'est en bas, presse. En bas, presse. N'hésite pas, j'inspire, je souffle, j'inspire, je souffle. Wouh! Continue, 8 de plus, 8. Sur les dernières, mon petit loup, ce que tu vas faire, on va se positionner en squat, et ce sera les squat thrusters. Deux fois, une fois, squat thruster, squat thruster. Une belle position. En essayant toujours de garder carton des jambes un peu plus large que la largeur des épaules. Continue. 8, 2, plus. 8. Ouh. T'inquiète pas, on va calmer. Allez, 4 dernières. 4. 3. 2 fois. Toujours avec les sourires. Une dernière. Bloc ici, chaise. Bloc. Maintien. Maintien. Allez, je te mets le chrono. 20 secondes, hein, total. Après, on va travailler sur ces formats-là. 20 secondes, ça sera très très bien pour la suite de l'échauffement. Continue, reste avec moi, maintiens. Tu les as, ça change dans les cuisses. 3, 2, 1, et relâche. Waouh! Pour le moment, ça, je vais laisser ça ici. Les montées de genoux, 20 secondes, go! 20 secondes, montée de genoux, classique. Ça, on va répéter deux fois hein, sur cette fin d'échauffement. On n'hésite pas. Les coudes sont là. Hein. J'anticipe. Pour la suite, ce sera gainage sur le côté. Gainage costal. 8, là. 3, 2, coup de droit. Avec moi. Coup de droit, on est maintenu. On est placé. Soit genou au sol, soit on redresse. Yeah. Allez, accroche-toi encore 10 secondes. Maintien. Si c'est trop dur, t'hésites pas. Hein. Prends ton temps, tu récupères. Cool. 3, 2, alterne. Go. On perd pas de miettes. On est toujours présent. Waouh. Ça y est, la température commence à monter. La suite, on se switch et on se placera en mountain climber. Prêt? 3, 2, 1, mountain climber. Pareil, 20 secondes. Essayez de garder les fesses relativement proches du sol. Ouais, comme s'il y avait un fil au-dessus. Fallait pas toucher. Attention à se relever. 3, 2, montez de genoux. Go. 20 secondes. Wow. Je te l'avais dit, hein. On le répète deux fois. On est bon. Ah. Allez, courage, courage. N'hésite pas, niveau 1, classique. Et niveau 2. Gainage. Côté droit. Waouh. On pense à souffler ici, on pense à récupérer. On est fort. Allez, tu maintiens, tu maintiens. Tu gaines, hein. Tu gaines des côtés du sol. Ouais. Côté sol. 3, 2, switcher. Côté du sol ici, hein. Là, je suis sur mon appui. Côté gauche. Pour toi. Côté gauche. Yes. C'est solide. Hein. On maintient. Épaule droite. Fixez vers l'arrière. Je reste le plus droit possible. J'anticipe le mountain climber en 3, 2. Mountain climber. Go. 20 secondes. N'hésite pas. Hein. C'est pas la course. Il faut prendre ton temps comme cela. Mais plus tu viens de faire.
Et derrière. Ah. Allez, les dernières, Fais-moi ça encore. 3, 2, et relâche. Ah. Fin de la chose. Super, on va pouvoir commencer. Tiens-toi prêt. On démarre avec ces jolies fentes. Cluster. Prêt. 5, 6, c'est parti. Fente, presse. Fente, presse. Alors vraiment, hein, je vais donner les temps pour tout le monde, que ce soit débutant, intermédiaire et confirmé. Approche-toi. Insiste bien sur l'amplitude et la direction de ton genou. Toujours tout droit, toujours. Oh, 10 temps pour les débutants, à l'équilibre. Inspire, tu souffles. Inspire, tu souffles. Allez les débutants, 3, 2, et relâche les débutants. Allez les intermédiaires, on s'accroche juste au bout, on va chercher, relâchez les intermédiaires, continuez ton droit, confirmez, 3, 2, et relâche, ok, tac, tac, la suite tu connais, ce sont les montées de genoux, on a un petit challenge sur la fin à chaque fois, on sera d'aller plus vite, mais toujours le 3, 3, 2, 1, montée de genoux, go, soit au niveau 1, hein, cool, ou soit en fourni, hein. Ouais, va chercher ça. Allez, solide. On n'hésite pas à rentrer le plus loin possible. Et on va entraîner les coudes avec les genoux. Wouh! Allez, courage. Fais bien là. Et débutant, 3, 2, relâche débutant. Jusqu'au bout. Allez les intermédiaires, approche-toi, lâche rien. 3, 2, intermédiaire, relâche. Allez, prends avec moi, 3, 2, relâche. Waouh, attention à la suite, c'est là où ça va commencer à piquer. Hein. Les squat jump. Ouais, t'es prêt? Squat jump, je veux de l'amplitude. 5, 6, 7, c'est parti. Squat jump, squat jump. Solide. Amène bien les fesses vers le bas. Si vraiment ça devient trop difficile, tu me le fais sans impact. Ok, sans impact. Inspire, souffle. Inspire, souffle. Souffle. Jusqu'au bout, je te donne le temps. Ouais. Débutant, approche-toi, approche-toi. Allez, allez, il te reste 4, 3, 2, relâche, débutant. Allez, les autres avec moi. Courage, courage. N'hésite pas, tu peux très bien alterner. Un saut et normal. Intermédiaire, relâche. 3, 2, 1. On relâche pour tout le monde. Ok. Un mouvement de posture qui va nous permettre vraiment de récupérer. Fais les choses tranquillement. On a les fesses poussées en arrière. Le but se redresser. On y va dans 4, 3. Et c'est parti, go. N'hésite pas. Un tout petit temps de pause, ici, ouais, on bloque, et reviens, on essaie de conserver cette courbure naturelle, et reviens, et quand tu expires un maximum d'air, tu contractes ce ventre, d'accord, comme cela, et tu reviens, allez les débutants, souviens-toi à vous, 3, 2, et voilà, chez les débutants. Allez, intermédiaire, courage, il vous reste 3, 2, 1, continuez avec moi, c'est confirmé, 3, 2, et relâche, on se positionne, version assise, un peu de coordination, 3, tout sèche, yes, option 1, option 2, 3, 2, c'est parti, go, on va chercher, on grandit, un peu d'équilibre. Le but, c'est pas la précipitation, hein, c'est de faire les choses très bien, très propre, avec de la fluidité. On essaie de s'auto-grandir. Pour ceux qui ont des problèmes au niveau des poignets, hein, n'hésitez pas, les fessiers au sol. Ouais, ça mettra moins de tension. Débutants, vous pouvez relâcher les débutants. Cinq, quatre, trois,
Gainage couvert. Si t'as des couleurs chez toi, n'hésite pas, tu peux très bien prendre les mêmes que les miennes. Je vais les annoncer. On est prêts. 3, 2, c'est parti. Bleu, rouge, jaune, blanc, blanc, blanc. Ça te dit ce qu'il y a derrière. Jaune, bleu, rouge, rouge, bleu, rouge, blanc, rouge, blanc. Allez, accroche-toi, il reste quelques secondes. Jaune, bleu. Tu peux même t'amuser à te faire tout seul, hein. N'hésite pas à rester comme ceci. Bleu, jaune, bleu. Débutant, relâche. Blanc, rouge, jaune. Allez, les bras sont toujours au-dessous de des épaules. Bleu, jaune. Intermédiaire, relâche. Bleu, rouge, jaune, bleu, et relâche. Objectif maintenant, pour les débutants, 50 pour le tank limber. Ouais. 75 pour les intermédiaires, et 100 pour nous les confirmer. On n'hésite pas. Allez. 3, 2, 1, c'est parti, go. Sur la boucle. 3 à 4 tours. Je te laisse.